Quelle est la place des femmes dans l'économie? Canal Z et Jump se sont associés pour parler du business case, de la place des femmes dans l'entreprise et pour mettre en valeur certaines sociétés qui travaillent depuis longtemps sur l'égalité professionnelle. C'est le cas de Procter & Gamble, leader mondial des produits de consommation qui emploie plus de 90 000 personnes dans près de 70 pays. Depuis plusieurs années maintenant, Procter & Gamble démontre son engagement pour la promotion de l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes au sein de ses équipes, mais a su également utiliser les publicités de ses nombreuses marques pour renverser les stéréotypes de genre. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes chez Procter depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu votre parcours et ce qui vous a permis de faire cette belle carrière que vous avez faite déjà? Oui, donc aujourd'hui je suis responsable pour le Benelux, mais je suis aussi une maman de deux petits-enfants. Mm-hmm. Et donc je pense que ce qui m'a permis de réussir, c'est avant tout le soutien de mon compagnon et de ma maman, mais aussi d'une valeur fondamentale chez Procter qui est la confiance. Donc on voit vraiment, quand on prend les responsabilités dès le premier jour, on a des grosses responsabilités chez nous, mais vraiment mes managers m'ont toujours dit « Caroline, je crois en toi, vas-y ». Et donc je pense que cette culture est très emblématique de P&G et on le voit aussi dans notre programme de Flex at Work. Donc c'est un programme de flexibilité qui nous permet de travailler aux heures qu'on veut, chez soi, à la maison. Et donc on voit vraiment que ce qui compte, ce n'est pas simplement si on est un homme ou une femme, mm-hmm. mais c'est vraiment les résultats qu'on délivre chez P&G. On connaît pas mal de belles publicités que vous faites, We See Equal, Like a Girl, où vous montrez vraiment que vous avez envie de changer tous les stéréotypes. Vous êtes vraiment précurseur par rapport à ça. Mais oui, je pense qu'on doit vraiment utiliser nos marques pour faire avancer les mentalités. Donc, par exemple, pour la marque de lessive Ariel, je suis très fière de la campagne Ariel chère de l'Aude. Mm-hmm. C'est une campagne qui avait commencé en Inde. On s'était vraiment rendu compte là-bas que les enfants, jusqu'à 70% des enfants, pense que c'est aux filles de faire les tâches ménagères. D'accord. Et donc là, on voit vraiment dans la campagne que c'est un grand-père qui se rend compte que maintenant, c'est sa fille qui doit faire le ménage, son travail, s'occuper des enfants. Et donc, il n'a pas fait changer les mentalités. Donc avec cette campagne, avec Ariel, on a vraiment fait avancer un mouvement. Et actuellement, en Inde, il y a déjà 2 millions d'hommes qui se sont engagés à signer une pétition disant « Je vais partager maintenant les tâches ménagères ». Génial. Donc, vous faites vraiment bouger les choses. Chez Always aussi, oui. C'est une belle campagne. Oui, tout à fait. Donc, les serviettes hygiéniques Always avaient remarqué que les jeunes filles, à la puberté, perdaient confiance en elles. Donc, on s'est vraiment rendu compte que quand on dit « tu cours comme une fille » ou « tu lances une balle comme une fille », c'est une insulte. Mm-hmm. Et donc, on a vraiment fait une campagne « Always like a girl » qui montre qu'on doit être fière d'être une femme, d'être fière d'être une fille. Et donc, on a vraiment fait avancer les mentalités parce que cette campagne était vue déjà 500 000 de fois sur le web. Et donc, on voit vraiment que les jeunes filles actuellement ont plus confiance en elles. D'accord, mais ce n'est pas uniquement dans les publicités. C'est aussi et surtout au sein de la société qu'il y a vraiment une égalité entre les hommes et les femmes. Vous pouvez m'expliquer ça? Oui, bien sûr. Nous, on s'est vraiment engagés pour l'égalité à 50-50. Et dans le monde, on est déjà à 45% de femmes. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et à Bruxelles, en Belgique, on est déjà à 51% de femmes dans les bureaux. Donc ça, vraiment, j'en suis très, très fière. Mais en fait, la diversité, c'est juste un chiffre. Ce qui compte, c'est la culture. C'est vraiment l'intégration de l'homme et de la femme au sein de l'entreprise pour donner leur maximum tous les jours et être au mieux. Et donc, je pense qu'on travaille en effet aussi bien avec nos employés, avec nos marques et avec nos partenaires. Donc, on est présent à Davos pour parler de la diversité. On est présent avec les Nations Unies pour enlever les stéréotypes dans les médias. Et maintenant, en Belgique, on est présent avec Jump pour justement ne pas en rester là. Merci. Merci beaucoup, Caroline. C'est vraiment formidable qu'en tant que premier annonceur mondial, Procter & Gamble s'engage pour transformer la société vers un monde plus égalitaire. Pour le leader des produits de consommation, il est aussi très important d'atteindre l'égalité professionnelle en interne. À la semaine prochaine dans Womenomics.